Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui avec Jeanne Dubois en train de tricoter, donc là où on l'avait laissé au dernier épisode, pour donc l'épisode 2. Donc je rappelle la to-do list entre guillemets de ce qu'il faudrait faire dans cet épisode: tricoter pour vendre, pour avoir de la money, pour avoir enfin un machin d'ébénisterie et pouvoir faire nos propres meubles. Ce sera déjà pas mal. Et comme ça, l'argent qu'on gagnera à côté, on s'en servira pour construire une petite maison, au moins 4 murs, déjà. Du coup, c'est parti. Ça va, tu galères pas trop? Oh, regardez-moi ça. À quel point elle est mais dégueulasse. Elle est concentrée après, hein. Franchement, elle a du mérite de pas s'asphyxier toute seule. C'est beau avec les lucioles. En vrai, je suis contente. Parce que de base, les lucioles, il n'y en avait pas. Et vous savez, donc avec vie à la campagne, on peut mettre voilà, des lucioles comme il y a là. Enfin, comme un peu tout ça d'ailleurs, qu'on peut mettre nous-mêmes. Et c'est vrai que je m'étais dit, en mettre quand même là, au niveau donc des sièges et donc de l'arbre, ça pourrait vraiment bien rendre. Et ben, du coup, je suis quand même assez contente. Je trouve que ça donne un petit côté apaisant. Qu'est-ce que tu nous tricotes en fait? Parce que bon, tu l'as fait un peu dans mon dos, donc... Un bonnet! T'as fait un bonnet! Bonnet. Est-ce qu'on ne mettrait pas... en plus, hein. Bah, du coup, elle va mettre en vente sur Plopsy. J'espère que ça va se vendre très vite. Elle va peut-être nous tricoter des vêtements pour animaux. Allez, on va le faire 35, là, celui-là. J'imagine tellement après, quand on aura des poules, des vaches, des lamas. Surtout des lamas pour le tricot, pour la laine. Ça pourrait vraiment bien rendre, je pense. Alors, ça lui met quoi? J'adore le tricot. Les tricots stylés, termine un projet de tricot. C'est vrai qu'on lui avait mis donc dans les préférences quand on avait un peu mis, je crois on avait mis 7 préférences que de j'aime pas, qu'on lui avait mis comme quoi elle aimait le tricot et le point de croix c'est elle qui décidera si elle aime ou non. Et niveau 2 de la compétence, tricot. Oh, vendre 68, j'ai payé combien? C'est dommage qu'on puisse pas mettre directement sur Plopsy. Et tu vas peut-être nous en faire un autre. Ah ouais, c'est 35 et... Oui, d'accord. Dans des tons bleu froid. Et là, dans des tons chauds. Les gars, vous n'êtes pas gourés? Je reste quelque peu dubitative. Donc, on va faire celui-là. Et d'accord. Mais tu me fais au moins ton... Oh, t'as payé là? Tu reprends, cocotte, hein? Ça va, en plus, t'es pas fatiguée. T'iras nous faire un pissou. T'iras après dormir. Et là, ce serait bien que les plantes, elles poussent. Peut-être refaire des recherches sur les Shockwave. Vlad, on s'en fout. Des écouteurs, oui. Alors, les écouteurs. Est-ce que je suis la seule à ne pas m'en servir? Oula, oui, il faut qu'elle mange. Manger des Shockwave. Putain, elle nécessite des ingrédients pour préparer. Si vous manquez d'ingrédients, pensez à vous faire livrer des courses. Bah oui, mais non. Ça va, t'as moins faim? Ouais. Tu vas tout nous vendre. Et on va tout arroser aussi. Non, elle vomit pas. Ça serait bien, n'empêche, dans ce monde-là, qu'on ait comme à Sulani, vous savez, une cascade où il peut se doucher. Je pense qu'il va falloir qu'on aille refaire le stock. Quoique, non, eh ben, tu vas faire quoi? Tu vas jouer dans l'eau? Est-ce que ça augmente son hygiène? Pas du tout. Bon, tu vas en magie. Pratiquer la magie. Il me semble que c'était la magie pratique. Bon, déjà, hein. Je pense qu'on va vraiment forcer sur la magie pratique. Parce que c'est celle dont on aura le plus besoin. Impeccable, tu peux pas l'utiliser sur toi? Impeccable. Est-ce qu'elle peut l'utiliser sur elle? Oh oui! Oh génial! J'adore mon défi. C'était absolument pas prévu. Pour moi, en fait, ce truc, on ne pouvait l'utiliser que... comment dire? Repario. Ouais, mais ça, elle réparera quand même d'elle-même. Hein. Je pensais qu'on pouvait l'utiliser, mais que pour bah, des objets. Par contre, tu vas pas faire de pommes? On est d'accord? Je sais plus s'il y avait besoin d'apprendre la magie pratique. Grande jeteuse de sort. Ah! C'est vrai qu'il y avait ça aussi. Alors, apprentissage théorique facilité. Non, de souvenir, c'était la décharge surtout déjà qu'il fallait. Parce que quand ça arrive au bout d'un moment, ça fait bim bam boum. Il semble qu'elle faisait des pommes normalement, mais. Je sais pas, t'éclater à faire une pomme, non? Je sais même pas si ça. Bah non, du coup, ça augmente pas là. Et son niveau, il en est ici. Ah, coucou toi! Vas-y, on va reparler avec toi maintenant qu'on pue plus. Demander. Comment les lapins se déplacent sous terre? Avec des tunnels. Raconter une blague sur les carottes. Alors faudrait qu'on me la raconte celle-là parce que. T'écoutes tant? Non, t'as l'air d'en foutre de ce qu'on dit. Faudrait vraiment qu'on arrive à. Je sais pas si j'ai des cadeaux. Des cadeaux. Niveau 2 en comédie. Bon, c'est bien, c'est que c'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non.
Ouais, mais il aime pas les blagues tout court en fait. Bon, on va essayer d'aller rechercher les Chocobay. On va aller nous chercher les champignons. C'est dingue, les renards ils sont toujours à côté des oiseaux. Je crois que c'était pas dans le coin là, il y avait rien. Les Chocobay! Ouais, on a ici. Normalement on avait des champignons, mais je me demande. Enfin, je les ai pas revus. On a là. Une capsule temporelle. Ah! On va encore vendre. Est-ce qu'on peut chercher? Ah oui, il faudrait cacher un objet aussi, c'est vrai. Bah du coup on cachera un champignon, ce que je voulais faire dans l'épisode précédent et j'ai complètement zappé. Eh, où est-ce qu'on mettrait pas une photo de nous? Allez. T'es en mode CJ. Et niveau 4, compétence en jardinage. Ah donc elle peut parler. Ok. Récolter les produits des plantes à proximité. Ça c'est bien aussi. Hop. Alors par contre je joue beaucoup en accéléré. Je préviens. Seulement des fois les personnages ils sont tellement lents à se déplacer. Ah non 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 non. Tout va chercher madame. Ah, tu cherches? Non, t'es en train de faire quoi? Non, tu caches un objet? Bah, tu vas chercher. Oh, on peut pas chercher. Soit parce qu'elle avait déjà cherché il y a pas longtemps. Ou alors, peut-être qu'on peut chercher qu'une fois. On a bien les chocobés. Ouais. Du coup, il faudrait qu'elle mange. Ouais, elle la mangera qu'elle, je pense que ça sera déjà pas mal. Parce que ça, c'est qu'il proposait justement de faire les courses, mais. C'est pas vraiment elle qui le fait, donc ça me dérange un peu, c'est pas elle qui cultive ni rien. Bon, là est tout le but un peu aussi du challenge, qu'elle se débrouille. Hop. Après, je sais pas ce qu'ils entendent aussi par... Oh, cours pas. Pardon. En ce moment, c'est ma période. Ok. Une capsule temporelle, bah dis donc. C'est qui, carotte ou érable? Bon, bah on saura jamais. Merci. Bon, alors elle va aller pissoiter. Ça va aller. On croit en toi. Personne ne te voit, t'inquiète, t'as pas de voisin. Après tout ça, il faudrait qu'elle aille dormir. Leaf. Trouver un trophée commune. Ah, insolite. Ouais, bon. Bon, quand même. Hein. Mais je me demande si c'est pas un bug le fait d'en trouver deux à chaque fois. Oh, nickel, la pluie qui vient arroser. Oh, de nuit, j'adore. Là, j'adore moins. Mais non, mais meuf, wow, va dormir, je suis désolée, mais t'as pas le choix de toute façon. Oh là 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 là, ça tombe pas loin. Mais je trouve ça super cosy là de nuit, j'adore. Il y a plus de lucioles. Bizarre, hein, il flotte, il y a plus de lucioles. Nous mettre une flaque là, Vlad. Alors courir à l'intérieur. Non mais. Mec, c'est vraiment très flippant, sache-le. Je vais pas prendre un coup de jus. Oh, je suis trop forte, mais je suis trop forte. Karma. Fallait pas venir sur mon terrain. Est-ce que l'électricité t'est montée à la tête? Je te ramène sur mon terrain. Tu te prends de coups de foudre et tu vas jouer dans la boue. Ça va? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas pas bouffer mes colverts là? Il joue dans l'eau. Bon, t'as bientôt fini de dormir toi? Ouais, ça va. Contre, j'espère que la. Ah, oh, ça commence à pousser, j'avais pas vu les plantes. Enfin, les fleurs. Du moins. Par contre, il y a plein de boue partout, c'est dégueu. Une petite pichette. Un lapin bugué, quoi. Alors là, on va récolter, récolter, récolter. Et tout le reste, on ira le vendre. Alors, meuf à l'intérieur, arrête. De toute façon, t'es sous un arbre. C'est pas un fil conducteur. Hein. Wow, c'est tombé pas loin. Oh, mais non, mais non, mais non, mais. Madame! Faites un effort! Et là, tu vas tout vendre. Je sais pas, on en est à combien? Ouais, bah alors, premier épisode de la saison d'une série, elle est contente, ça y est. Maintenant, il flotte, elle est contente. Ouais, 4 par 4, hein? Oh non! Faut le pulvériser. Ouais, de l'insecticide. Et ça, c'est quoi, là? Ah oui, des pommes de terre. Et ça, c'est en hiver. Ok, hiver, été, printemps. Bon, ça, c'est de cette saison, donc on est au printemps. Il va falloir qu'on trouve après un peu de tout, de la culture pour tout. En même temps, c'est bien, ça nous a tout arrosé, là, c'est nickel. Si on parle à la plante, est-ce que ça l'améliore en qualité supérieure? Ça fait son besoin de social, mais. Parce que là, c'est surtout les chocobés. On va pas se cacher. On va peut-être faire des recherches. Je sais qu'il y a l'entretien. C'est à nouveau dégueu. On va lui faire un petit coup d'impeccablo. Et d'ailleurs, après, il faudrait qu'elle repratique la magie pratique. On parle souvent de vous, au pote de Finchwick, vous devriez passer un de ces jours. On parle souvent de moi. J'imagine bien les ragots en mode. Ouais, c'est la nouvelle là-bas. Personne ne la voit. On sait pas qui elle est. Mais en fait, c'est juste son besoin à elle. Hein. Ça y est, madame recommence à avoir faim.
Hop, elle s'est mis un coup d'impeccable. Ça, c'était quoi? Pratiquer, ah oui, de la magie. Alors, pas trop proche des plantes parce que tu viens te, hein, te rater, merci, mais je suis à garder les plantes intactes, surtout celle-là. Ce serait bien qu'elle apprenne un nouveau sort. Sur les potions, je pense qu'on va essayer de faire venir ça un peu après, histoire qu'on ait la maison déjà. Enfin, la maison, un toit. Parce qu'avec 326, est-ce que normalement elle a les chocobées? Ah oui, 14! Bah oui! Mais dites donc, madame a du stock là, hein? Hop, j'avais pas vu qu'on avait encore une capsule. On va tricoter après. Oh le gabi! Il y a un trophée. Lui, j'avoue, le pirate, je vais bien le garder. Alors, on va tricoter. Qu'est-ce qu'on va. Ah bah, reprendre le tricot, oui. On va éviter de repayer, hein. Où est-ce qu'elle va se mettre? Ah, sur son banc cette fois. Non, pas du tout, d'accord, c'est juste qu'elle m'écoute pas. Tricoter. Reprends la casquette. Tu sais, après, je sais pas si elle peut s'asseoir. Je pense. Mais ça serait bien qu'elle aille tricoter ici aussi. Je trouve ça vachement apaisant. C'est beau. Ouais, ça doit pas être facile de vivre comme ça en pleine nature. Mais ça doit être tellement reposant. Ouais, elle a fini le projet? Ça, on va vendre aussi, je pense. Les photos là qu'on a prises, je pense que ça va vraiment être les photos du tout début. Le avant. Après, de toute façon, elle va sûrement avoir des relookings aussi entre-temps. Hein. À savoir que j'ai désactivé donc le vieillissement. Parce que bon, là, je me vois pas créer une famille, etc. J'ai vraiment envie de me concentrer sur le challenge. Les projets de tricot terminés. J'espère qu'il est bien et le normal. Ouais, d'accord. Bah, tu vas le vendre, 63. Je me demande si on va pas faire que des tricots pour animaux. Hein. Oh, quoique 335. Est-ce qu'on tente? J'ai un peu peur. Cache-colle, incroyable couleur. Allez, on tente. On est fou. J'espère que ça va vraiment rapporter derrière. Et niveau 3, donc de la compétence tricot, il flotte. Le truc, il va être pompé. Tricoter des accessoires boîte aux lettres avec housse et porte-plantes suspendues pour tous. En vrai, on pourrait peut-être se faire un machin pour la boîte aux lettres. C'est bon, elle est comme ça ou... Voilà, quoi. Je sais pas combien ça coûte. Alors, c'est tout de suite moins fun hein, quand il y a de la flotte. Hein. Ah, il y a encore de l'orage. Youpi. On a bientôt passé la première semaine, mine de rien. Ah, il y a des... Mais arrêtez les flaques de se former, là! J'ai Vlad qui va revenir. Vous comprenez, le pauvre, il va se reprendre un coup de jus. Je crois que c'est en été, du coup il y a vraiment toutes les plantes. Non, 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 non. Mais... Oh! Meuf, heureusement que t'es pas en couple, parce que là t'es cocu. Waouh! Elle a terminé, 430? Ouais, bon, d'accord. Le revenu est pas bien fou, hein. Tu vas essayer de nous tricoter du coup une housse, mais là pour nous, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Vert, puisqu'elle est dans le vert. Ne pense pas à l'orage. T'es sûr de vouloir te rasseoir sur ce siège là? Moi je l'aurais pas fait. Hein. Ce n'est vraiment fallu de peu. Tu m'étonnes. Jeanne a failli se faire frapper par la foudre. Rester dehors pendant un orage peut-être dangereux. Bah oui, mais elle a pas le choix. Je vais bien la faire rentrer. Hein. Mais... Ça va être un peu triste, hein. Elle va pas faire grand-chose. Agnès la dentelle. Qu'est-ce qu'elle m'appelle? J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-arrière grand petit cousin est décédé et vous a curieusement légué une énorme fortune. Acceptez-vous cet héritage? Après, techniquement, vu que c'est quelqu'un qui est décédé dans notre famille, même si on le connaît pas, on peut accepter l'argent. Allez, sous quelles conditions? Parce que sinon, je crois que j'adore l'argent, machin, c'est se marier. Et bon, là, c'est. On veut pas. Allez, c'est comme si on avait gagné le loto. Je vais attendre qu'elle finisse son petit projet, là. Voilà. Alors, non, est-ce que tu peux. Je sais pas comment ça se met. Projet, ouais, terminé, mais est-ce qu'elle peut le mettre sur son truc? Je sais pas comment on fait. Ah non, où c'est. Ah ouais, c'est à la place de celui-là. Ok. J'ai enlevé donc la boîte aux lettres, etc. Et on va mettre l'établi. Je vais peut-être essayer de lui faire une petite maison en même temps. Je retrouve après. Ok, du coup, j'ai fait donc les quelques changements. J'ai oublié de. Bon, je referai plus tard. Donc, pour faire le chemin là. Donc, j'ai mis la nouvelle boîte aux lettres. Donc, bon, après qu'on peut bouger, etc. Celle qu'elle a faite. J'ai fait en petite maison. Alors, j'ai pu du coup prendre l'établi. J'ai vendu la tente. Donc la petite maison pour l'instant donne un petit côté comme ça. Voilà de quoi ressemble, à quoi ressemble la maison de face. À l'intérieur, alors c'est tout petit, hein, faut pas s'attendre à grand chose. Donc à l'intérieur j'ai mis un lit. Voilà, donc en bois avec des tissus. Donc ce qu'elle aurait pu très bien faire toute seule. Le. Bon voilà, une petite lumière. Hein. D'ailleurs, je vais mettre un éclairage automatique. Bon, c'est une bougie, je pense pas que on devrait payer des impôts, mais on sait jamais. Hop, avec quelques tentures, la commode, avec le point de croix et donc une petite chaise à bascule, de même qu'elle bon, qu'elle a pu trouver.
ou qu'elle a pu faire elle-même, bon, je pencherai plus pour le côté trouvé, parce que bon, je pense pas qu'elle soit à ce point aussi forte. Est-ce qu'on peut... Ah non, on peut pas le mettre, c'est dommage. Je sais que des fois, on peut mettre des choses là-dedans. Donc voilà, je voulais mettre de base un tapis, je me suis dit non, je vais pas le mettre. À ce jeu de souvenirs, il me semble qu'en tricot, on peut faire. Donc, voilà. Je n'ai pas mis, et sinon, je n'ai rien touché. Donc, il ne nous reste plus que 174. Je vais voir si elle peut pas peut-être retricoter. Parce que dans les objets, c'est quoi? Porte-plante, on va pas le faire tout de suite. Tricoter des vêtements. Oh, il y a poulet lapin! Zigzag. Ouais, mais je sais que si je le fais... Ouais, tant pis. Je vais le faire, mais je vais le mettre à un lapin, donc... Oh, du coup, elle va là direct. Oh, c'est trop mime, ça le fait plus dehors. Bon, dans un certain sens, c'est bien. Donc, ouais, j'avais mis le comptoir dans... Je m'étais dit, elle va pouvoir faire manger dessus. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas mettre de frigo, vu qu'on est en hors réseau. Et on est très loin de l'étape 7. Il me semble de souvenir pour le bricolage. On va peut-être faire ça et sinon on va peut-être faire une sculpture bloc de couteau. Ça peut toujours servir. Donc niveau 4 de compétences de tricot. Ah bah voilà, elle peut faire des tapis. Après les tapis, donc ils étaient pas trop dans le thème. Et elle a terminé. Et 91! Oh! Allez, je vais faire tous les trucs de là-bas maintenant. Donc elle a atteint la compétence bricolage. Franchement, je sais que je me répète, hein, mais j'aime beaucoup l'ambiance. Bon, il manque un petit truc là-bas, du coup. Mais ça commence à se former, hein, petit à petit. Ça sent toute la violence, là, parce que les animaux la rejettent. Quand elle aura terminé... Ah bah, elle aime le bricolage, bah oui. Oui, à défaut d'aimer la pêche. Est-ce qu'elle peut nous faire peut-être une... Non, bah, tu vas me refaire un bloc. Ça coûte moins cher. Ça, on pourra le vendre. Et après, elle nous refera peut-être un petit coup de tricot, et il faudra qu'on voit pour qu'elle puisse manger. Donc niveau 2 de bricolage, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, les améliorations, mais elle peut fabriquer des meubles. Qu'est-ce qu'elle peut faire comme meuble? Je crois que c'est tabouret, non? Après, ce qui me dérange, c'est que les tabourets, sauf quand ils sont ratés. Ah, il y a les jardinières. Ouais, enfin, pot de fleurs peut-être, à la limite. Une grosse fête d'Erec. Nah. Je n'ai pas de vie sociale, moi. Hormis quand ils sont ratés, je trouve que les tabourets, ils collent pas trop avec le thème. Vous savez, sinon, c'est blanc et bleu, là. Et quand ils sont ratés, c'est vraiment en bois. Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est une baignoire. Alors là, il va falloir du niveau. Hein. Ok, elle a ça. Est-ce qu'elle peut nous faire tableau de barre? Tu veux pas te le rater? Après, il faut que je fasse attention. Ah bah, elle a trop faim. T'as trop faim, t'as trop faim. Si, c'est bon, on a des baies. Oula, madame, va falloir qu'elle aille faire un pissou aussi. Pissou, tu vas essayer d'un peu reprendre et après, tu vas aller dormir. Mais je vais te suivre partout où tu vas. Fabriquer de nouvelles sculptures. Les sculptures, je m'en fous un peu. Je veux des meubles. Par contre, ça augmente vachement vite quand même. Bricolage. Oui, je sais, c'est horrible. Mon Dieu. Oh, t'as pas vu Thierry. T'es au bout de ta vie. Réparéo. Pourquoi? Je peux le réparer, il est cassé. Je pense que elle va peut-être donc nous faire un petit coup de magie pratique. J'adore cette tenue. Ça lui va trop bien. Je suis un key sur ce let's play. Sur ce let's play. Vas-y, balance tout. Vas-y. C'est vrai que j'avais déjà tenté. Ah, on va désherber. Bah, déjà, tu vas. Attends, non. Tu vas nous récolter là. Récolter. Et après, elle ira tout vendre et désherber. C'est vrai que j'avais déjà tenté de faire un challenge comme ça dans la nature. Mais c'est vrai que le décor, je sais pas, ne me plaisait pas vraiment. Enfin, j'avais fait au mieux, mais déjà, on n'avait pas ce pack qui manque un peu de. Manquait un peu de contenu. Et là, par contre, j'adore vraiment. Je me projette vraiment dedans. Après, je pense pas que ce challenge sera spécialement long. D'ailleurs, si vous le tentez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et peut-être me donner même voilà, des petites nouvelles sur vos avancées dans vos parties, etc. Ça peut franchement être très cool, je pense. C'est bien, t'as fini de pissoiter. Bah, tu vas te faire un petit coup d'impeccable. Tu vas nous refaire de la magie pratique. Et donc du tricot. J'aimerais qu'elle nous refasse un truc de lapin. Donc cette fois-ci on va vendre. Vêtements tricotés pour animaux. Vas-y, on va lui refaire. Oh, couverture. Allez, zigzag. Oui, je sais, tu commences à avoir faim. Elle veut pas apprendre de nouvelles compétences, hein? Ah! On va peut-être lui refiler un petit coup de miam miam. Manger de baies. Alors non, t'es pas là pour te reposer. Oui, merci, t'es là pour tricoter. Elle s'en fout de tricoter, d'accord? Trop mal à l'aise. Mais non. Regardez, elle va très bien.
Ah, reprendre. Ah bah nickel. En fait, elle avait déjà commencé. On dirait qu'elle est en train de se faire des films. Je sais pas ce qu'elle est en train d'imaginer pendant qu'elle tricote. C'est un peu flippant quand même. Après, je pense que je ferais peut-être une maison en angle. Mais je veux dire, dans le sens où, par exemple, bon là, ça serait peut-être l'entrée. Et on fait comme ça. Voilà, donc de dos, hop, on doit rentrer par une sorte de cour où là, on aura peut-être les animaux et tout. Enfin, petit à petit, ça commence à se faire. Dans ma tête, je commence un peu à visualiser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop, alors on va vendre. Oh là, pas les deux. Donc celui-là, il est normal et lui, il est excellent. Bah oui, bah on vend le normal. Voilà, 90. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Parce que les sculptures. Ah bah tiens, sculpture de lapin. L'herboristerie, il me semble qu'il faut voyager. Enfin, je suis obligée de voyager là pour aller à Granite Falls, je crois. Pour pouvoir le faire. Ok, on a fait le lapounet. Alors, si on fait un meuble. Ah, oh, miroir! Oui! Fais-nous le miroir. Est-ce qu'on a là la. Ouais, on a la statue. Peut-être essayer si on peut la mettre là. Il me semble, hein, franchement, qu'avant. Ah, ouais, mais là. Eh! Hop! Moi, je suis trop cute! J'adore. Peut-être mettre des plantes autour, quand on aura. Ah, oui, ça a dû faire mal ça. Bonjour. Je suis heureuse, on le sait. Oula, concentration maximale. Ah! J'ai une notif de Google OneDrive, je m'en fous complètement. Ça m'a complètement figé le jeu. En plus, elle avait fait sa pause et tout, c'est ça que je voulais prendre, c'est pour ça que j'ai interrompu tout à l'heure. Ah, ça mesure. Et reprends ta pause! Les bras croisés et tout en mode. Punaise, c'est tronche. Les cotates. Là, elle est moins contente. T'as raison d'avoir faim. Tu vas me servir de miniature. T'as fini? T'as fini. Non? Oui? Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parler. Très bien qu'on ait un autre. Enfin, notre lapin national là qui se ramène. Pour qu'on puisse lui mettre peut-être la tenue. Bon, en fait, il en a marre. C'est bon. Il est en mode. C'est bon. Flemme. Ça va pas falloir que je l'oublie, je vais le mettre là. Peut-être planter des baies parce que je trouve que c'est. Enfin, 3 c'est pas suffisant. Et hop, voilà, ça nous en laisse 15 quand même, ça va. Hein. Hop, tu vas tout planter. Tu vas peut-être nous remettre du persil ici. Manger du persil, je suis pas sûre que. Ça doit pas être très avant. Hein. Tout seul, je veux dire. C'est un peu fade. Hein. Et niveau 5 de jardinage déjà. Peut désormais prendre des boutures et greffer des plantes pour créer des plantes hybrides. Bah tout arroser. Et bon, quand est-ce que vous évoluez, vous? Vous êtes un peu loin. Ah, quoi que, fertiliser peut-être. Il me semble que fertiliser, ça doit aider. On va mettre fertiliser avec du persil. Ouais, c'est ça. Hop, si on prend une bouture. Et que là, on prend une bouture. Qu'est-ce que ça fait, le mélange? Je sais pas comment on fait ça. Là, on peut refertiliser ou pas? Ah là, on peut greffer. Ok, c'est. Il faut attendre ouais, que ça soit. Que ça ait poussé. Ok. Parler à une plante. On va faire un test. Celle-là, elle aura le du persil. Pourquoi toi t'as pas? Parce que je t'ai pris une plante. Enfin, bah d'accord, écoute. Hein. Ah, espèce hybride débloquer un nouveau type de plante par greffage. Et c'est quoi? Plante greffée. Du coup, en soi, on a déjà au moins un des exemples. Par contre, pourquoi c'est vachement plus vert que le reste? En tout cas, ces deux-là, ils sont pas loin de passer au niveau supérieur. Ça, c'est top. Si bon, ça, de toute façon, on s'en sert pas en le vent à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous faire? Est-ce qu'elle n'irait pas peut-être, quoique 101, mais nous tricoter un tapis? Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire? Est-ce qu'elle aime le vert? Mais ça, de souvenir, c'était quand même assez flash. Ah, bah là, vert foncé. Vas-y. Va nous faire un tapis vert foncé. Là, par contre, va falloir faire attention et vendre pas mal les cultures parce que, mine de rien, là, on tricote ou on construit, mais on les revend pas derrière. C'est plus pour elle. Faudrait qu'on mette le miroir aussi. C'est pas nous. Il nous affiche pas l'arbre. Ça, c'est vrai que c'est dommage quand même que les arbres disparaissent comme ça. Franchement, ce petit coin-là. En fait, c'est les. Franchement, les lucioles, elles font tout. Je me demande si je vais pas en mettre plus. Les pierres, je sais pas où on va les mettre non plus. Ah, d'ailleurs, une photo. Mais attendez, la photo. Est-ce qu'elle ne mettrait pas. C'est vrai qu'on avait ces photos. Donc, on va garder. Hop, celle-là. Donc, celle-là, est-ce qu'on peut ajouter un cadre? Bois clair, allez. Ouais, non, bois foncé finalement. Si on peut. Je suis obligée de l'enlever. Okay. J'ai un cadre bois foncé. Je vois pas la différence. On va laisser comme ça, hein. Hop, est-ce qu'il ne peut pas peut-être se prendre en selfie, histoire de déjà un peu peut-être l'évolution. On va prendre un selfie. Comme ça, nous fait son petit tapis. Le bloc, on va le vendre. À 10 quand même, hein.
Bon, la bouture, on peut pas la vendre, ça c'est dommage. Et donc elle atteint le niveau 50 tricot. Elle a. Ta, 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 ta. Elle peut faire donc des pulls, pour enseigner le tricot. Mais c'est. C'est niveau 5 le tricot ou... Ah oui, non, c'est niveau 10. M'en fait peur là. Oh, va falloir qu'elle aille faire ses besoins. Manger, ça va être compliqué. Ça, c'est toujours le problème de manger. Ah, elle a froid. Il faudra qu'elle aille dormir après. Et elle a fini son tapis. Je vais pas prendre d'un peu plus loin là, quand même, parce que le selfie, je veux bien, mais là, c'est gros. On peut aller faire donc ses besoins. Elle ira dormir et je vais mettre les meubles pour le prochain épisode. Donc je pense que c'est sur ce qu'on va se laisser. Il y a déjà pas mal d'améliorations. Je suis vraiment très contente des avancées quand même. Puis ouais, là, franchement, l'univers et tout, genre la petite maison comme ça, je suis vraiment trop fan. J'espère que la construction vous a plu aussi. Enfin, le rendu, là, déjà ce que ça donne sur ce terrain. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. De même, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à liker, à vous abonner pour suivre toute l'évolution. En ce moment, voilà, il y a deux challenges. Le 100 Baby Challenge et donc celui-ci. Donc comme ça, vous ne pourrez rien louper. Et puis, moi, je vous dis bye bye et au prochain épisode.